Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le dimanche 18 février 2024. Il est 17h et j'ouvre la septième présentation de la série intitulée Les Galactiques 2024. Le thème de ce soir est Mars, destruction, réhabilitation et développement, un havre pour les mantes d'eau jaloux, c'est-à-dire d'Eris, une planète naine de notre système solaire. Les maîtres ou maîtrés des reptiliens grand gris et une faction séparatiste de terriens qui sont sous la coupe des reptiliens. Les informations que je vais partager avec vous sont, comme vous le savez déjà, de sources purement extraterrestres. Elles sont radicalement différentes des informations officielles sur Terre, au point que beaucoup les considèrent comme de la science-fiction. Je ne peux leur en vouloir car ces informations m'ont été confiées depuis le milieu de l'année 2016 par des membres d'équipages extraterrestres de plusieurs lignées. Mars était une planète où vivait une civilisation planétaire d'origine lyrienne, comptant 60 millions d'individus qui s'y étaient réfugiés à la suite de la colonisation de leur planète et qui s'enfuirent en petits groupes pour pouvoir survivre. Mais suivis par leurs colonisateurs, ils se réfugièrent dans divers systèmes stellaires et certains sur Mars. S'ensuivirent des guerres violentes entre la Fédération galactique et les colonisateurs draco-reptiliens. Mars fut dévasté à la suite de ces guerres plasmiques sur Tiamat et sur Mars, et la civilisation lyrienne a été totalement exterminée par les trois races qui vont finir par la coloniser et se la partager. Conditions de vie actuelles sur Mars. L'air de Mars est respirable par des terriens, mais il contient moins d'oxygène que sur Terre, comme en très haute altitude, à 4 ou 5 000 mètres. Les séjours sont possibles, mais souvent de courte durée, et des respirateurs sont parfois nécessaires. Pour les terriens, l'altitude agit surtout sur l'organisme par la diminution de la pression partielle de l'oxygène dans l'air inspiré. Mais les personnes qui vivent depuis des générations en haute altitude, comme les Lapas ou les Sherpas, le supportent très bien car ils ont un nombre plus élevé de globules rouges qui augmentent l'endurance. Ce sont les globules rouges qui transportent l'oxygène. La surface de Mars est désertique avec quelques zones boisées et de la garrigue sur la majeure partie de sa surface. Il y a des lacs et des rivières. Ce fait fut confirmé en 2018 par une équipe de scientifiques terriens qui découvrit un grand lac d'eau salée liquide de 20 km de diamètre sous la surface du pôle sud. Ils en ont trouvé trois autres par la suite, ce qui signifie qu'il y a beaucoup plus d'eau sur Mars que nous ne le pensions initialement. Selon mes contacts, certains lacs sont asséchés et d'autres contiennent de l'eau liquide ou sont souterrains. Il y a beaucoup d'animaux sauvages, mais leur nombre est minime comparé à la faune qui y vivait avant les guerres sur Mars et sur Tiamat. L'activité volcanique est élevée et il y a de multiples tremblements de terre. Il y a de nombreuses ruines un peu partout, plus importantes à certains endroits qui correspondaient aux villes. Il y a aussi de nombreuses pyramides qui étaient utilisées comme centrales électriques, dont une à cinq côtés que l'on voit dans la zone de Sidonia, à proximité de ce que l'on appelle le visage. Elle est appelée D et M, les initiales de Vincent Di Pietro et Grégory Molénard, qui l'ont mise en évidence. Ces pyramides font aussi partie de la civilisation détruite lors de la Grande Guerre.
Le 25 juillet 1976, l'orbiteur Viking 1 a pris un cliché du visage de Mars. Si les scientifiques y voient un banal jeu d'ombre et de lumière sur le relief, c'est une construction érodée qui appartenait aussi à la civilisation détruite. Il y a également des satellites appartenant à plusieurs races, y compris la faction humaine terrienne. Mars n'a pas de lune parce que Phobos et Deimos sont des bases extraterrestres, des vaisseaux biosphères en forme de rochers. La civilisation martienne. La planète Mars est divisée en trois secteurs. Humains, reptiliens, des mantes et les maîtres. Les trois secteurs sont de taille égale et sont constitués essentiellement de bases souterraines. Les zones d'habitation entre les trois races sont séparées par des frontières qui feraient pâlir celle entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, la plus militarisée du monde, avec des bandes de plusieurs kilomètres de large, des nids de mines, des robots assassins dotés de mitrailleuses plasmiques, des barbelés électrifiés, des tourelles de capteurs de mouvement, etc. L'un des trois secteurs est occupé par une faction séparatiste terrienne du programme secret, sous le contrôle des draco-reptiliens terriens. Le second est occupé par les mantes d'Ojalou, d'Eris, et le troisième par les maîtres ou grands gris. Les trois groupes ont militarisé un tiers de la planète Mars. Voyons maintenant les trois secteurs. Le secteur des terriens, des draco-reptiliens qui utilisent des corps humains terriens et leurs familles, constituant une partie de la cabale et qui travaille pour elle, se déplace presque exclusivement par portail de dombes sur Terre à dombes sur Mars, c'est-à-dire de bases souterraines sur Terre, directement à des bases souterraines, leurs bases souterraines sur Mars, exactement comme dans le film Doom. Cette zone est une base militarisée avancée avec la cabale du programme secret spatial américain. C'est la base terrienne la plus éloignée de la Terre à ce jour. L'Empire d'Orion a beaucoup changé car les lignées reptiliennes sont devenues très positives. Mais cette transformation exclut les gris qui sont appelés maîtres ou maîtres et qui sont connus sur Terre sous le nom de grands gris. Les grands gris ont des bases souterraines sur Terre et ils collaborent avec les draco-reptiliens, la cabale martienne. Ils évoluent dans une fréquence basse, en 3D ou 4D, et pour évoluer en 5D, la fréquence de Mars, ils utilisent une technologie pour se maintenir dans des fréquences faibles. Donc ils maintiennent cette fréquence dans leur base souterraine et ne remontent que rarement à la surface en portant des combinaisons de protection, donc sur Mars, mais c'est aussi vrai sur Terre. Sur Terre, c'est beaucoup plus facile parce qu'ils peuvent s'infiltrer ou s'incorporer dans des corps humains qui leur sont indispensables, car sans ce corps humain, ils ne pourraient pas aller loin ni habiter certaines planètes, et leur instinct est la conquête et l'expansion. Ils utilisent les portails et c'est un problème parce qu'il y en a beaucoup sur Terre. Certains sont en ruine. L'Irak, par exemple, a été envahi pour s'emparer de ces portails. Et il y en a des modernes dans la zone 51, la zone S4 sous le Patagone, sous le complexe du mont Cheyenne au Colorado, qui est une montagne qui culmine à 2915 mètres d'altitude et sous lequel se trouve un complexe militaire. Les portails existent aussi dans certains bâtiments spéciaux. Ils sont difficiles à trouver et à détruire car ils se trouvent surtout dans des bases militaires souterraines les plus profondes. Ils limitent leur déplacement aux endroits qui ont la même fréquence que la leur.
ils ne peuvent pas accéder à de nombreux lieux de la galaxie en 5D, car ce serait toxique pour eux. C'est aussi pour cela qu'ils ont besoin de maintenir la Terre à une fréquence basse de 7,83 Hz. Voyons maintenant le secteur des grands gris, maîtres ou maîtrés. Ils sont interstellaires et peuvent voyager dans l'espace, mais ils n'ont pas de technologie suffisamment avancée pour modifier l'espace-temps. Ils utilisent donc essentiellement des trous de ver avec leurs vaisseaux ou des portails. C'est une espèce négative envahissante ou régressive, alliée aux draco-reptiliens qui contrôlent la cabale terrestre, mais ils sont souvent en désaccord et les deux parties se battent assez fréquemment. Ils considèrent les émotions et les sentiments comme de la faiblesse et ils ne font preuve d'aucune empathie. Les maîtres sont une race secondaire qui a été conçue et élevée par les draco-reptiliens qui ont amalgamé leurs gènes avec ceux d'une lignée spécifique de Zeta Reticuli. Il y a 165 races de petits gris, mais le résultat fut loin de ce qu'ils recherchaient et qui était de créer cette race pour faire des maîtres leurs serviteurs. Mais cela ne s'est pas passé comme ils l'avaient prévu. Ces essais ont donné naissance à une espèce de gris beaucoup plus grand et beaucoup plus puissant, avec des caractéristiques appuyées de cruauté et de froideur. Ils sont devenus incontrôlables. Ils ont dominé la planète Mars après avoir tué leur créateur. Ces maîtres se reproduisent uniquement par éprouvette ou clonage. Ils se sont répandus dans tous Zeta Reticuli et ont établi des alliances avec les races réfractaires d'origine sauroïde, reptilienne. Ils sont arrivés dans le système solaire Sol 13 et ont mis en place leur plus grande base avancée sur Mars. Ils ont également des bases souterraines sur Terre, comme à Dulce au Nouveau-Mexique. Parlons maintenant des mantes haïtiennes. Haïtienne, ça s'écrit A-E-T-H-I-E-2-N-E-S. Le secteur suivant est dominé par une espèce d'origine insectoïde appelée les mantes haïtiennes. Elles sont interstellaires et peuvent évoluer dans l'espace. Elles se disent neutres, mais si elles ne sont pas effectivement ouvertement négatives, elles ne font que suivre leur propre agenda. Elles pensent très différemment des autres races ou de celles de la Fédération galactique. Elles sont organisées en ruches avec une reine dominante. Elles sont dangereuses et n'hésitent pas à tuer. Elles ne sont pas toutes d'amour comme on le pense sur Terre, car elles doivent être très fortes et agressives parce qu'elles partagent une planète avec deux autres espèces hostiles. Comme ce qui concerne les descriptions qui sont faites sur Terre, de nombreuses lignées extraterrestres, toutes d'amour, elles ne sont pas toutes telles qu'on les décrit. Les mantes haïtiennes sont envahissantes comme des fourmis et elles se défendent en écrasant tous ceux qui leur barrent la route. Et elles se justifient en avançant des arguments métaphysiques commodément modifiés selon leurs besoins. Les différents systèmes de civilisation, les mantes haïtiennes ont un esprit de ruche organisé autour d'une reine dominante et donc une grande famille. Les grands gris maîtres, ils ont également un esprit de ruche et une structure pyramidale du pouvoir. Ils se reproduisent en laboratoire. Et les draco-reptiliens et les terriens sont organisés en système pyramidal comme sur Terre, en niveau ou couche sociale de la plus puissante, la plus haute puissance, les militaires, les royautés, la religion, les multinationales et les ouvriers tout en bas.